Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Nous sommes ici au centre d'entraînement des Aiglons où le premier match amical, le premier match de préparation de l'été rouge et noir va se dérouler. Il opposera à huis clos le gym à Rodez. Et pour vous faire vivre ce premier test amical avec un gym très rajeuni, nous avons le plaisir d'accueillir Manu Pires, directeur du centre de formation. Manu, bien le bonjour. Bonjour à tous. Manu, on a profité alors de tes courtes vacances pour te demander un petit coup de main, nous assister sur ce match. C'est un plaisir de te retrouver. Tu seras particulièrement pertinent parce qu'il y a beaucoup de jeunes aiglons, beaucoup de jeunes visages. En tant que directeur du centre, j'imagine que sur un premier test, c'est déjà une satisfaction. Le centre de formation existe aussi pour ça, c'est de pallier un petit peu aux difficultés d'effectifs d'équipe première, ce qui est le cas en ce début de préparation, avec pas moins de 10 garçons qui ont rejoint le groupe professionnel, provisoirement. Voilà, qui complète l'effectif de Christophe Galtier et de son staff. Pour un plaisir pour ces garçons, en tout cas, d'évoluer très rapidement, déjà dans la préparation à cette nouvelle saison avec les professionnels. Alors vraisemblablement, on s'orientera vers deux équipes, une équipe par mi-temps, beaucoup de jeunesse, encore plus de jeunesse en deuxième mi-temps. On va très rapidement vous donner la composition des équipes et après on se mettra en place. Les acteurs sont rentrés au vestiaire. Dernier préparatif avant de rentrer sur le terrain. La composition des Aiglons dans la cage Benitez. À droite, Pelmar. Une charnière centrale, Smith, Bambou. À gauche, Ensoki. Deux récupérateurs à plat, Schneiderlin, Thuram. À droite, Dacunha. À gauche, Tom Louchet. Dont Manu, tu pourras nous parler également. En 10, Pierre Lesmelou. Et en pointe, Dan Endoy. Manu, premier, ce qui nous vient spontanément, ce sont deux jeunes noms. Justin Smith, Tom Louchet. Ils viennent de monter, ils ont signé un joli contrat cet été, ils viennent de monter avec le groupe pro et ils débuteront cette rencontre. Voilà, c'est le symbole, hein. C'est pas fait exprès, hein. c'est pur des hasards qu'ils soient aujourd'hui titulaires sur cette première rencontre. C'est vrai que ce sont deux garçons sur lesquels le club mise et en tout cas investit beaucoup. Ce sont des garçons avec un fort potentiel qui ont fait une saison ascendante la saison passée. Mais avant ça, c'est surtout le plaisir de retrouver le football enfin. La jeunesse, le symbole de la jeunesse, même s'ils seront encadrés par deux anciens, en l'occurrence Pierre Lesmelou et Morgan Schneiderlin. Voilà, bon, ce sont deux garçons, on va les connaître, on va apprendre à les voir évoluer au plus haut niveau, parce que ça reste la Ligue 1. Le chemin est encore très très long, mais ils vont apprendre très très vite. Alors tu parlais tout à l'heure, une première dans le groupe de Christophe Galtier, ça a été la grosse actualité de la semaine des Aiglons, le nouveau coach Christophe Galtier, officialisé lundi soir. Présenté officiellement mardi après avoir dirigé sa première séance. On vous propose, il s'est passé beaucoup de choses dans la semaine, on vous propose de revivre cette semaine avec le récapitulatif. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je trouve... Je suis persuadé qu'ici, c'est le bon projet par rapport à ce que j'attends de faire de la suite de ma carrière. Bienvenue à Nice, Christophe. Bienvenue. Ouais. Regarder un peu les premières images de la conférence parce que voilà, je trouve que c'est toujours important d'avoir les premiers mots de l'entraîneur, tout ça, et ouais, franchement j'ai trouvé assez intéressant ce qu'il a dit par rapport aux supporters, par rapport au jeu qu'il veut proposer. Voilà, je me trouve super sincère dans ce qu'il a dit. Ressort mon gars, ressort, viens de la tête, c'est pour toi, toi tu construis, toi tu construis la tête. Ouais, il est ferme, il est exigeant, mais c'est ce qu'il faut. Si on veut que les joueurs progressent, il faut être exigeant avec eux. Mais je pense qu'ils comprennent très vite et ils vont se mettre au diapason. Enfin, après ces confinements à multiples reprises, on va enfin pouvoir revoir du jeu. On va revoir les joueurs, revoir enfin le plaisir de revoir les supporters, parce qu'il y en a plein que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu.
Alors que les acteurs sont actuellement au vestiaire pour les ultimes réglages, on va vous dire un petit mot sur l'équipe de Rodez, déjà à commencer par leur composition. Les Ruthénois, grand club de l'Aveyron, sont pensionnaires de Ligue 2 où ils évolueront pour la troisième saison consécutive avec des objectifs plus élevés que les deux précédentes où ils ont terminé respectivement à la 16e puis la 15e place. Alors on va commencer par leur composition. Bardi, Boissier, Joris Chougrani, Florian David, Clément Depré, Corentin Jacob, Alan Kerouédan, Jordan Leborgne, Lionel Mpazi, Nassim Ouamou, Lorenzo Rajo. Les Ruthénois La rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernis, Laurent Coniglio, qui montera en Ligue 1 cette saison à la touche. Et de l'autre côté, à l'autre touche, Stéphane Luzy, qui pour sa part s'apprête à officier pour la 14e saison d'affilée dans l'élite. Allez, c'est parti ici au centre d'entraînement. Le coup d'envoi est donné par les Ruthénois, pensionnaires de Ligue 2. Avec le ballon qui circule par la base défensive, dans les pieds du capitaine. Ouais, les trois défenseurs centraux qui prennent bien la largeur, hein, c'est relativement classique, avec des pistons qui occupent... Justin Smith touche ses premiers ballons. Numéro 33 sur le dos. Ce numéro 33, il est aussi symbolique, car en Ligue 1, il appartient aux jeunes justement qui montent avec le groupe pro. Oui, c'est une bonne chose qu'il n'est pas tout de suite leur numéro attitré. Je disais ce numéro provisoire. Schneiderlin qui récupère le ballon haut pour Dacunia. Dacunia qui accélère avec le ballon collé sur le pied gauche pour Pelmar, finalement Andy temporise et ça repasse par Kefren, Thuram et la base arrière. Et Soki alerté sur le côté gauche. Ils prennent leur temps les Aiglons en ce début de match. Oui, il y a une vraie volonté hein, de jouer ses premiers ballons vers l'avant. S'il n'y a pas la possibilité, bien entendu, il faut la garder. Alors là, Dacunia qui trouve Ensoki dans le couloir. Ensoki qui revient pour Dacunia. Ah, il va travailler, il rentre dans la surface. Ah, dommage, il est repris par le capitaine ruthénois. Ah, bonne récupération haute de Stanley Ensoki.
volonté de récupérer très haut. Manu à la paire du ballon. Oui, également. C'est un projet assez fort chez Christophe Galtier et son staff, c'est de récupérer très très vite à la paire ce ballon pour pouvoir travailler dans le camp adverse. Ah, bien joué Ndoye qui décroche pour Tom Louchet. Accélération de Louchet. Ouais, c'est pas mal ce qu'il vient de faire. L'enchaînement a été bon. Sa dernière touche de balle était un petit peu longue. Il aurait dû peut-être plus la maîtriser, lever la tête. Il y avait la possibilité de jouer dans l'axe du but. Et cette dernière touche a été approximative et ça a permis au défenseur de la sortir. Dommage parce que sur la première, il avait fait le bon geste et le bon mouvement de corps. Alors que là, c'est Dacuña et son pied gauche. Dacuña dont on aura également l'occasion de parler. Acheté par le gym l'année dernière, prêté à Lausanne et qui fait son retour cet été sur la Côte d'Azur, son arrivée en fonction. Alors que là, il n'a pas réussi à franchir le premier poteau. C'est un corner sortant. On voit que c'est de l'homme à homme côté Rodez avec les deux personnes, une qui couvre le poteau et une autre qui couvre la zone. Oui, marquage individuel. Oui, composition aussi de Rodez avec des garçons de taille assez athlétiques. C'est costaud, c'est une vraie équipe de Ligue 2. Oui, exactement. C'est le profil parfait pour se maintenir et tenter des coups, pourquoi pas, en apportant chaque année une plus-value avec des joueurs un peu plus d'expérience. Alors là, ils ont entamé leur préparation un peu plus tôt que les Aiglons. Ils ont entamé le 15 juin parce qu'ils reprennent le plus tôt. Voilà, ils reprendront le 24 juillet à Caen. Et puis le président a annoncé dans la presse, côté ruthénois, des ambitions un peu plus élevées. Donc après le maintien, ils veulent viser à minima la 12e place de Ligue 2. Et puis pourquoi pas rêver à aller un peu plus haut parce qu'il y a un nouveau stade qui arrivera d'ici à 3 ans. Et parce que l'Aveyron est aussi une terre de football. Et il y a pas mal de garçons du cru dans leur côte. Des côtés sang et or. Allez, on reprend sur le terrain. Soki pour Thuram. Bonne première touche qui cherche dans le dos de la défense d'Acuña en profondeur. Dommage, un peu long. On a vu devant nous Manu Kefren, première touche, chercher dans le dos de la défense. Un peu du direct, ça aussi, c'est aussi une arme à utiliser. Oui, c'est surtout la volonté des attaquants de faire des appels aussi en profondeur. Et c'est peut-être une nouveauté de voir nos attaquants, plutôt que de décrocher, essayer d'aller chercher les dans le dos des défenseurs, ce qui permet aussi à le milieu de terrain de jouer un petit peu plus direct. Donc là, c'est Rodez qui attaque. Bien parlé. Ensoki qui couvre bien, Benitez qui parle bien également. Il n'y a pas eu de friture sur la ligne, si on peut se permettre l'expression côté. Oui, non, Walter reste quand même le leader de cette défense avec une voix qui porte. Il réveille et secoue un petit peu ses défenseurs quand ils en ont besoin. Alors voilà, ça repart bas. Il y a de l'expérience également à Rodez. Hein. Le numéro 25 qu'on voit très actif, notamment au pressing. C'est Clément Depré qui vient de Nîmes, qui est arrivé juste là. Ils ont recruté 7 joueurs. Ah là, on dit bien. Ouais, on peut voir vraiment cette organisation tactique de cette équipe de Rodez, qui est très très difficile à manœuvrer. Qui va certainement, au vu des ambitions du club, du coach et du président, poser pas mal de soucis à des équipes qui souhaitent monter, puisqu'on va entamer un marathon cette année. Alors que là, une récupération médiane de Rodez. Avec la première frappe du match, bien captée par Walter Benitez. Oui, avec beaucoup de monde quand même dans l'aspect offensif, dans l'animation, qui finissent dans la surface de réparation. C'est assez intéressant. Alors, la frappe, œuvre de Florian David. Alors que là, c'est pareil. Dan Ndoye, très mobile devant. Alors que là, attention, c'est un ballon compliqué. Pierre Lesmelou qui part au pressing. Ah, c'était bien senti de la part du numéro 8, rouge et noir. Ouais, mauvaise appréciation de la trajectoire des défenseurs qui a failli en profiter à Pierre. Alors on profite de ce petit temps mort pour adresser un clin d'œil à Kasper Dolberg qui joue actuellement le quart de finale de l'Euro avec le Danemark contre la République tchèque. Et les Danois, Manu, viennent d'ouvrir le score. Ah. L'équipe surprise et puis c'est bien. C'est un beau petit clin d'œil un petit peu pour les petits déboires qu'ils ont eus. Avec Eriksen. Là c'est Rodez qui pose un peu le pied sur le ballon. Ouais, c'est propre, c'est calme, c'est patient, il n'y a pas de. Il y a
très très peu d'erreurs techniques. C'est, voilà, ça joue au même niveau que notre équipe. Elle arrive à se mettre au niveau, tout simplement. Ah, bel arrêt de Walter encore une fois. C'était Florian David qui s'était mis à son avantage. Attention là, ça se rapproche quand même, ça devient dangereux. Ouais. Ah ouais, encore une fois, beaucoup de monde, beaucoup de densité dans la surface de réparation. C'est vrai, une vraie volonté de jouer les coups à fond et de profiter de cette assise défensive à 3 derrière pour mettre la grosse pression sur notre but. Alors on le voit très remuant, Florian David, il a la particularité d'être dans l'équipe de Guadeloupe. Il est passé par le TFC, le GF 38, les Herbiers et Chambly. Voilà, il a de la bouteille aussi dans les divisions un peu inférieures. Au corner brossé, pas de souci dans la Nice de Walter. Qui relance vite. Ouais, on voit le retour aussi. Hein. Cette équipe de Rodez qui se replace et le bloc est en place. Alors c'est toujours intéressant pour une équipe de Ligue 2 de jouer une équipe de Ligue 1. Le football n'est pas le même, il n'est pas forcément la même structure. Voilà, le jeu est beaucoup plus posé, il y a beaucoup plus de temps faible, comme on les appelle, avec la recherche vraiment du déséquilibre. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas en Ligue 2, où il y a un jeu un peu plus direct, un peu plus approximatif. On parle d'une équipe de Ligue 1, effectivement, le gym qui se présente là attaquera la Ligue 1 le 8 août contre 1. Attention, voilà, Walter. Une relance un peu approximative. Toujours ce Florian David. Elle a sa écarte sur le côté. Donc, il est sorti. Oui, donc on parlait de la reprise qui sera le 8 août, on le rappelle, contre Reims. Enfin, le week-end du 8 août. La programmation officielle n'est pas encore totalement tombée. Il y a beaucoup d'absents hein, côté niçois. Outre Casper Dolberg là qui joue actuellement et Jordan Otomba qui était à l'Euro avec la Suisse. On voit par exemple, on ne va pas les énumérer d'une manière exhaustive, mais Dante, Youssef Attal, Dante qui a repris l'entraînement mais qui reviendra là, c'est encore un peu trop court pour reprendre là. Jean-Pierre Todibo, pareil, il est préservé, il reviendra lundi. Les sélectionnés, Flavius, Amin Gouiri, Youssef Attal, Hicham Boudaoui, ils sont encore un peu courts, voilà, comme ils ont eu un peu de vacances, ils sont un peu en décalé, mais ils devraient signer leur retour à l'entraînement pour la plupart, Hassan Kamara également ce lundi. Tout comme Jean-Claire Todibo, là, qui lui était là dès la reprise, mais qui est préservé pour cette rencontre. Oui, et puis ça reste vraiment des joueurs très importants de notre effectif. Et c'est quasiment la moitié du groupe qui est absent. Donc voilà, on va tenir compte bien sûr de cette première prestation. Ouais, tu parlais des pistons, Manu. Ce Kerouédan sur le côté droit, il est souvent bien placé. Heureusement qu'il manque un peu de justesse, on va dire, dans le dernier geste, parce qu'il a souvent le bon placement, les bons appels et le bon timing aussi. Alors c'est vrai que c'est quand on a deux garçons comme ça qui courent, qui font vraiment des kilomètres et qui élargissent cet espace, très difficile de les cibler et de les identifier comme dangereux. Et dès qu'ils sont touchés, il y a une avancée jaune qui s'engouffre dans la surface de réparation, encore une fois. Ils étaient 4, 5 joueurs. Attention, attention, il faut maîtriser davantage ces pistons. Alors Manu, toi, le directeur du centre de formation, formateur, entraîneur, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt d'avoir 4 joueurs très hauts d'entrée de jeu? Qu'est-ce que c'est? C'est de laisser les 2-6 s'exprimer? Bah, disons, c'est surtout pour essayer de trouver des espaces. Écarter au maximum, étirer au maximum cette. Attention. Alors là, Robson Bambou qui perd le ballon. Attention, attention. Première relance un peu galvaudée de Robson Bambou qui a manqué un peu de justesse. Intercepté une nouvelle fois par Florian David. Ça fait les occasions qui se succèdent. Voilà, la moindre erreur technique peut être très très difficile à récupérer parce que ça va très très vite. Voilà, c'est l'esprit. En 15 minutes, on voit vraiment l'esprit de cette équipe de Rodez, du coach, qui ne change pas sa philosophie de jeu, à savoir d'être très très solide et d'exploiter au maximum les actions offensives. Corner joué à deux avec Rajo.
Allez, faut sortir dessus là. C'est Smith qui s'y colle. Tu rames, faut aller chasser. Bien joué Dan Doy, généreux. Qui a été fermé devant Jordan Liborn. Alors, on s'aperçoit aussi à travers cet euro déjà d'une, mais un petit peu avant, l'importance du travail défensif des attaquants. Et je pense que cet euro va marquer un point de départ de la prise de conscience de tous ces attaquants de vraiment faire l'effort défensif, parce que tout le monde attaque, bien entendu, mais il faut aussi que nos attaquants de pointe, nos joueurs de couloir fassent un gros effort, parce que souvent, nos latéraux, nos défenseurs centraux sont livrés avec une infériorité numérique qui est très très difficile à combler. On le voit qu'aujourd'hui les attaquants défendent beaucoup plus, et je pense qu'à l'avenir ce sera encore pire. Alors attention, oh là ça monte, les costauds. Ah, il y a les 3 de derrière qui montent et ça joue à plusieurs. Ce fameux Boisier, ce fameux maître à jouer. Avec Lorenzo Rajo qui arrive de Clermont-Paris, 23 ans, mais de l'expérience du niveau inférieur, de la Ligue 2. De ces batailles, de cet impact. Et les Aiglons reculent, mais traversent peut-être un petit temps faible. Mais c'est dans ces temps faibles, Manu, qu'il faut savoir résister. Parce que c'est inhérent à toutes les rencontres de football. Oui, il faut dire aussi qu'on a repris que depuis lundi. Voilà. On a conservé ce match-là, mais bon, après 5 jours d'entraînement, on peut pas considérer qu'on soit vraiment en jambes. On rappelle, Rodez a repris le 15, hein. Je fais bien de le rappeler. Plus en jambes, plus avancés dans leur préparation. Ils auront 3 autres matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 2. Ouais, ça communique, c'est extrêmement intéressant. Il faut vite la libérer parce qu'il y a une grosse densité de joueurs. Pour la Andy Pelmar, pour Morgan Schneiderlin, Kefren Thuram, touche, 2 touches, avec Enzo qui prend le couloir. Centre dans la boîte, bien dégagé par Rodez. Et ça repart sur les côtés. Ça repart et ça repart vite. Il faut le temps de se réorganiser. On voit Nsoki qui a bien fermé l'axe. Heureusement que celle-là, elle a été dans le sens de la largeur, Manu, parce qu'il y avait peut-être un coup un petit peu plus dangereux à jouer d'une manière directe. Alors, je ne sais pas si c'était cette passe-là qu'il voulait faire. En tout cas, c'est sûr que chaque perte de balle pour nous, c'est un danger. Ça, c'est une bonne récupération de Morgan Schneiderlin. Pour l'Esmelou, Endoy qui perd le ballon. Attention, c'est là où il y a danger à la perte. Un Wendoy qui se bat pour récupérer le ballon. Très agressif, hein, ces joueurs de Rodez. Alors à noter que le président River et Julien Fournier sont sur la terrasse du centre d'entraînement pour observer ce premier match. Tout comme Dante qu'on voit ici, qu'on voit de notre poste. Ah, il intéresse ce match, hein. Le gym nous a manqué après 5 semaines. On avait hâte aussi que tout reprenne, même si c'est pas encore la vérité de ce qui arrivera plus tard. C'est quand même agréable de voir un match du gym se dérouler sous nos yeux. Bien sûr. On parlait tout à l'heure du positionnement assez haut pour laisser de l'espace, laisser vivre justement les 2-6 et les qui sont un peu les organisateurs. Voilà, c'est l'objectif d'être très très haut en position, c'est d'étirer au maximum dans la longueur et dans la largeur l'adversaire pour pouvoir avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur du jeu. Ce qui ne veut pas dire que ce sont uniquement les deux milieux de terrain qui doivent faire le jeu. Il y a le décrochage des joueurs excentrés, voire des attaquants qui peut aussi permettre une solution. Mais l'objectif, c'est vraiment d'étirer ce groupe qui est assez compact. Qui est très compact, effectivement. Ouais. On les voit difficiles, vraiment très très difficiles à manœuvrer. Et là, c'est reparti côté gauche. Oui, et puis cette occupation du camp adverse en nombre. Avec la recherche de centre. Heureusement, les centres sont plutôt bien gérés pour l'instant. Ouais, on est bien positionné. On est sur les trajectoires, on n'a pas subi d'occasion franche, mais malgré tout, on est un petit peu déstabilisé, notamment sur les côtés.
Mais c'est une belle opposition pour notre équipe, pour ce premier match de préparation, de mettre en place un peu ce nouveau projet de jeu. Et notamment de vouloir rechercher ses passes vers l'avant pour justement éliminer ce pressing ou ce contre-pressing. Elle est là pour l'Esmélou. Ah, il y avait un espace un peu plus important, un peu plus à l'intérieur. Et le ballon serait passé. C'est vrai qu'il a tenté vraiment au millimètre, Pierre Lesmélou. C'est dommage parce qu'il y avait une prise de vitesse de Tom Louchet qui aurait pu faire la différence parce que c'est un garçon qui va extrêmement vite et qui est capable d'aller jusqu'au bout dans la percussion. Là, ça continue. Le côté gauche. Bien fermé, Stanley Nsuki. Bien parlé aussi, Walter Benitez. Allez, Tom Louchet, voilà, qui s'est bien... qui a bien pris de la vitesse. Oh, bien joué. Ouais, c'est bien fait. Pour Lesmélou. Ah, c'est dommage, on n'accompagne pas suffisamment les actions offensives, contrairement aux Ruthénois, qui, eux, accompagnent plus facilement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros effort, une grosse transition de la part de Tom. Qui a résisté aussi, hein. Parce que là, c'était juste devant nos yeux, il est resté sur ses jambes, il a pris de la vitesse, il a pris un vrai impact. Ouais, c'est ça. Un garçon de 18 ans, ça va lui faire du bien de jouer contre un bloc solide, des défenseurs rugueux. Ça va le faire progresser, notamment sur ce domaine-là. C'est un domaine dans lequel il doit faire beaucoup de progrès. Résister à la charge, résister au duel, l'ancrage au sol. Comme il l'a fait, c'est bien. En plus, il a donné un très très bon ballon à Pierre Lesmélou. Malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de situations devant le but pour permettre à Pierre Lesmélou de servir un de ses coéquipiers. 18 ans, mais là, malheureusement, c'est vrai que les compétitions ont été interrompues pour les jeunes la saison précédente. Mais Tom Boucher, il a déjà joué en CFA aussi. Hein. Il s'est déjà frotté à ce type d'opposition rugueuse. Ah, bon ballon d'Ensoki pour Ndoye qui décroche, qui réside bien sur ses cannes. Dan Ndoye. Il conserve. Oui, bien gardé, bien conservé. Dan Ndoye qui, on le rappelle, était parmi les réservistes de l'équipe nationale suisse pour 7 euros. Il faisait partie des 3 susceptibles d'être appelés en cas de pépin. Finalement, il n'a pas été, mais il est international espoir. Et il a confié lui-même que c'était déjà une très belle première expérience avec les grands de la Nati. Qui ont, on le rappelle, éliminé l'équipe de France en 8e de finale. Allez, ça repart. Pour Rodez. Il y a quelques petites erreurs techniques qui malheureusement nous empêchent de conserver davantage ce ballon et on le rend à l'adversaire. C'est vrai, après il faut faire un gros effort de récupération parce qu'il y a une belle maîtrise, une belle occupation du terrain. J'ai le sentiment que notre jeu commence un peu plus à se mettre en place. Dans un premier test amical comme ça. Ah, attention. Bien joué, Bambou. Là maintenant, il faut être présent au duel. Premier tac ne génère rien. Sanctionné, là il y a un coup franc très dangereux qui se présente pour Rodez au 25 mètres plein axe. Et on voit Florian David encore une fois qui s'est emparé du ballon avec beaucoup de conviction. L'attaquant ruthénois. Alors il n'y a pas de petite pièce à mettre, mais si j'en avais quand même une, Manu, je la mettrais sur lui là. Dans la course d'élan, alors à moins qu'il brouille les pistes. Je pense que ce sera pour lui. En tout cas, il a l'attitude et la concentration du tireur. Et on a de la taille aussi dans le mur. Il y a de la taille dans le mur. Ouais, bonne anticipation de Walter Benitez. Il n'a pas bougé au final, ça lui est arrivé de son côté. Il n'a pas fait le petit pas qui peut-être, dans certaines situations, mettre les gardiens en difficulté. Un coup franc qui manque aussi de puissance. Manu, l'objectif avec un premier match dès la première semaine de reprise, qu'est-ce que c'est d'achever justement cette semaine d'une bonne manière avec une séance de travail plus.
Oui, c'est de mettre en application un petit peu les petits réglages tactiques que le nouveau coach a mis en place cette semaine. On peut pas être à la perfection en si peu de temps. C'est simplement déjà dans un premier temps de faire un petit galop d'essai, pas se blesser, surtout ne pas se blesser. C'est de faire une bonne prestation et d'essayer de voir un petit peu les petits mouvements, les petits déplacements, les petits caractéristiques tactiques du coach. Les binômes qui peuvent exister entre les deux milieux de terrain axiaux, les deux attaquants, les démarquages, voilà, c'est voir un petit peu au fur et à mesure comment le projet de jeu se met en place. Mais dans un premier temps, c'est surtout de ne pas avoir de blessure. Ah voilà, Tom Louchet encore une fois qui cherche, qui attaque bien ses espaces. Derrière on conserve. Smith. Merlin Mambou. Là, Dacunha, bien, bon décrochage de Dacunha. Mais par contre, il y a beaucoup de monde dans cet axe ruthénois. Oui, après, il faut être patient, il faut profiter aussi à un moment donné de la fatigue de l'adversaire pour que le système soit un petit peu moins solide, un peu moins compact. C'est souvent ce qui se passe en fin de période de mi-temps. Voilà, il faut être patient, il faut pas céder, il ne faut pas concéder trop d'occasions. Et puis. Un bloc, en règle générale, se distend et se disloque souvent en fin de période. Là, il y a une bonne phase de conservation. Ça fait quelques minutes maintenant que les écoutes et le ballon a bonne déviation de Boucher. Dommage. Et voilà, c'est un petit peu la volonté hein, de l'équipe d'aller chercher vraiment des joueurs dans la profondeur, dans les pieds ou dans la course. Mais vraiment, l'envie et l'objectif de jouer vers l'avant le plus possible. Bien joué, Nsoki. Autoritaire. Est-ce que nous qui est redescendu un peu plus bas pour récupérer le ballon. Il y a coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche. Tom Mouchet, excentré côté gauche, qui prend le temps de temporiser, qui repasse par Nsoki, puis Kefren Thuram. Alors on voit Dacunha qui joue. Oh, attention, qui joue côté gauche, la Schneiderlin qui s'est fait surprendre par le retour de Clément Depré. Un manque de communication aussi. C'est sûr qu'il doit s'informer de savoir où sont les adversaires, mais. Un petit message d'alerte. Voilà, le coach qui demande vraiment des efforts hein, pour être beaucoup plus ambitieux dans le pressing, dans l'agressivité, pour récupérer le plus vite possible le ballon. Et quand on l'a, justement, c'est d'être un peu plus offensif, même dans ses positionnements. Voilà, je pense qu'il a envie que l'équipe soit un peu plus haute sur le terrain, aussi bien avec que sans le ballon. Et pour finir sur Dacunha, donc, qui revient sur la Côte d'Azur l'année dernière. Il était donc prêté à Lausanne pour 28 matchs, dont 27 en Super League, 6 buts et une passe décisive. Voilà, comme ça, là. La parenthèse est close. On voit que pareil, après un bon temps fort quand même, Rodez, là, il commence à avoir un peu plus de mal dans la transmission. Il manque un peu plus de justesse aussi. Alors qu'il y a un premier changement qui intervient dans les rangs azurés. Hein. Donc c'est un bon match tactique, hein. on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'occasions hein, pour mettre le spectacle, mais c'est vrai que c'est voilà, tactiquement, ça joue entre les 16 mètres les deux surfaces. C'est à l'intérieur, il y a très peu de situations vraiment dangereuses de chaque côté. Voilà, c'est vraiment une lecture tactique. Maintenant on se doit de peut-être être un petit peu plus haut sur le terrain, c'est ce que souhaite aussi. Christophe Galtier, à savoir voir des joueurs un petit peu plus ambitieux certainement, même sur cette première opposition. Alors là, c'est la première pause fraîcheur, Manu, parce que malgré le ciel menaçant, il fait très chaud, très lourd. On va en profiter aussi alors. Donc le moment est idéal pour parler un peu des abonnements. On a dit tout à l'heure, on a cité en avant-match que nous donnerions quelques explications. La campagne d'abonnement, elle a commencé en ligne pour l'OGC Nice, elle a commencé sur les chapeaux de roue. Avec quelques records qui me donnent beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Elle a commencé le 17 juin en ligne. Il est désormais possible de se rendre à l'Allianz Riviera pour récupérer physiquement son abonnement depuis le 22 juin. En plus, à l'Allianz Riviera, chers supporters, vous serez très bien accueillis. Il y a un tout nouveau salon spécial réservé pour les abonnés, histoire de s'abonner vraiment et de s'orienter vers la saison qui arrive dans les meilleures dispositions. L'heure pour récupérer et les jours pour récupérer ses abonnements chaque mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h.
Vous pouvez également vous rendre à Nice Étoile ou un stand. L'éphémère vous attend jusqu'à dimanche. Et à partir du 10 juillet, il y a le programme pouvoir d'achat de l'OGC Nice qui se met en action. Le programme pouvoir d'achat, c'est simple, vous avez tous les renseignements sur le site de l'OGC Nice et sur le site dédié à la campagne d'abonnement. Il vous permet tout au long de la saison de vous faire tout simplement rembourser l'abonnement en partie ou entièrement avec deux entreprises, Idyl et Reductbox, qui vous accompagnent au quotidien. Donc rendez-vous en ligne ou à l'Alliance Riviera. Alors que le premier changement qui était prévu en avant-match, il n'y a pas de petit pépin, Justin Smith qui fera vraisemblablement sa réapparition en seconde mi-temps, a cédé sa place à Noah Crétier. Un petit mot, Manu, Noah Crétier, pareil, quelqu'un que tu connais très bien, pensionnaire du centre de formation. Oui, oui, aussi, bien sûr. Noah Crétier qui est dans sa 20e année, un garçon exceptionnel, d'une très très grande éducation, et qui bon, malheureusement a été blessé la saison passée, un petit bout de temps sur la fin de saison, mais c'est un garçon fiable, c'est un garçon propre, fils d'un joueur emblématique de l'OGC Nice, voilà, qui a réussi à garder cette grinta qu'avait aussi son papa. Voilà, c'est un garçon avec il est exemplaire, tout simplement. Son papa Thierry Crétier, donc illustre ancien à qui on adresse un chaleureux bonjour. Noah qui était également apparu déjà une fois en Coupe d'Europe sur le terrain de Birchiva. Donc là c'est Rodez qui repart. Vas-y, avance un peu, Kef, avance. Il se situe mi-terrain. Ah, bien trouvé à l'opposé. Oui, toujours cette largeur. Cette largeur qui pose pas mal de soucis pour l'instant. Cette largeur à gauche, autant on voit côté droit, le piston droit, Alan Kérodan, très mobile. De l'autre côté, le numéro 7, c'est Nassim Ouamou également. Il est très mobile, on le voit à l'aise techniquement. Et puis encore une fois, on sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'il y a du timing, ils partent au bon moment. On sent que c'est maîtrisé, qu'ils connaissent leur sujet, ils connaissent leur animation. Et ils obtiennent un nouveau corner, justement dans le sillage de Nassim Ouamou. C'est pas évident hein, de jouer contre un système comme celui-ci. Hein. Beaucoup de monde offensivement à gérer. Ça oblige aussi à. C'est toujours le fameux problème du latéral ou du milieu. Est-ce que le milieu doit reculer? Est-ce que le latéral doit avancer? Avec un nouveau corner. Deux mains levées, composition. Boissier. Ah, c'est bien fouetté. Très bien joué d'Acuna qui avait fermé au deuxième poteau. Là, ça se précise, ça devient de plus en plus dangereux dans les rangs ruthénois. Oui, Manu, on parlait de ce fameux problème. Qui doit sortir? Est-ce que le latéral doit y aller? Est-ce que c'est plutôt au milieu? Oui, c'est en fonction de la distance à laquelle le ballon y est donné. Si c'est un renversement de jeu, le latéral a largement le temps de pouvoir glisser et d'être sur le joueur. Tout dépend de la position haute ou médiane du piston adverse. Voilà, le gym est à mi-terrain, bien compact également, refus de trop reculer. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller chercher à faire le pressing à 5 jours. On a 5 jours d'entraînement. La configuration, elle est simple. Hein, c'est rester bien en place et puis exploiter le maximum de situations offensives dès qu'on récupère le ballon. Et dans un premier temps, si on pouvait être plus propre sur le plan technique, avoir un petit peu moins de déchets, c'est vrai que ça permettrait à nos joueurs d'être un peu plus en confiance et de s'installer dans le camp adverse. Voilà, on voit un petit peu cette belle organisation avec ces latéraux qui touchent quasiment les lignes et puis les décrochages ou les sollicitations des milieux de terrain et les attaquants de ville, Pierre Lesmenou qui s'est engouffré dans un espace. Là on a Tom. Voilà, c'est le fait de d'étirer quasiment à 4 attaquants et de revenir, ça nous permet d'avoir un peu plus d'espace pour manœuvrer. Ce qui est l'une des clés face à ces formations très très denses, notamment dans l'entrejeu. Oui, bien sûr, c'est une des clés. Hein. Après, on sait qu'il faut être très juste techniquement pour ne pas justement perdre ce ballon et subir une contre-attaque. La justesse technique, c'est le fondement même du joueur de niveau et des équipes de très très haut niveau. Schneiderlin. Descend, voilà, qui combine avec Thuram, ça repart, ça prend son temps.
Voilà, ça, c'était une bonne passe hein, de Bambou qui a éliminé quasiment 5 joueurs. Ça, c'est intéressant, ce genre de passe. Quand on a la possibilité de les faire, pour les faire, il faut maîtrise. On voit que ça tire aussi un peu côté ruthénois. Hein. On ne peut pas attendre effectivement que les équipes soient prêtes comme si elles allaient attaquer le championnat. C'est un match de reprise pour les deux. Oui, bien sûr. Il faut retrouver un petit peu ses sensations, ses repères, ses dosages de passes. Aussi bien en intensité qu'en justesse. Allez, Nsoki pour Chrétier. Bambou. Pelmar, on voit l'Esmelou là qui le fait, le bon appel en profondeur qui est servi par Andy Pelmar. Oh, superbe contrôle de l'Esmelou. C'est bien vu, excellent. Qui sert en retrait d'Acuna pour Ndoye. Ça passe à côté là. On a vu un joli mouvement côté niçois, Manu. Oui, c'est parti du côté gauche et c'est Andy qui a mis un superbe ballon parce qu'il y a un appel en profondeur qui a été sollicité par Pierre Lesmelou qui fait un superbe contrôle. Derrière, on a cette situation avec Dacunia et manque de promptitude de Dalen Doyle qui a un petit peu tergiversé. Je ne sais pas s'il voulait vraiment la mettre comme il le voulait. Alors, on a vu la base arrière ruthénoise surprise. C'est vrai que Lesmelou est parti, on l'a vu quelques fois décrocher. Ouais. Ben là, il a été les chercher dans leur dos et on les a vus surpris. C'est ça. De temps en temps, il décroche. Ce n'est pas forcément son poste hein, de prédilection puisqu'il joue quasiment deuxième attaquant. Mais le fait de décrocher, de prendre la profondeur, il a aspiré un petit peu cette défense et on a vu qu'on a aussi cette possibilité. Pourtant, ce n'est pas le plus rapide de l'équipe. Ça laisse présager aussi dans le futur avec des joueurs de vitesse, des possibilités. On avait un bon ballon d'Andy aussi. C'est vrai que les ballons à mi-distance comme ça, ils sont souvent durs à doser. Là, il y avait un bon dosage. Donc c'est bien. Voilà. C'est encourageant. Schneiderlin qui voit Loucher, qui préfère s'appuyer sur Ndoye. Qui prend un coup peut-être un tout petit peu brouillon dans les premières touches après sa prise de balle d'Anne. C'est ça dans ses choix. Il aurait dû enchaîner sur la passe de Morgan, tout de suite enchaîner sur Tom qui avait pris la profondeur. C'est dommage. Très véloce Tom Loucher. Très véloce. Là on le voit, il fait les appels. Il se dépense pas. Il ne ménage pas ses efforts, pardon. Il se dépense beaucoup, il ne ménage pas ses efforts. Il a l'air d'avoir quand même le juste état d'esprit premier match avec les grands. Voilà, il a une grosse qualité, c'est un joueur de foot, il joue au ballon, il sait jouer. Et il a une grosse qualité athlétique, c'est la vitesse. Et là, il joue un peu plus sur ses qualités athlétiques. Alors là, on voit que... On le voit davantage. Pardon, excuse-moi Manu, on voit que ça parle entre Lucas Dacunia et Pierre Lesmelou. Dacunia qui s'élance. Petit ballon dans le dos. Ah, ils l'ont bien joué. Hein. Ils l'ont bien joué, Rodez, ils sont montés tous en cœur. Tous coordonnés alors qu'on entend le coach Galtier demander derrière le ballon, pas se faire piéger sur la première relance. Alors que tous les remplaçants de l'OGC Nice sont rentrés au vestiaire. La deuxième mi-temps se prépare également. Il reste 10 minutes à jouer ici au centre d'entraînement des Aiglons. On rappelle le score. Le gym et Rodez sont pour le moment dos à dos, 0 à 0. Oui, ça a baissé un petit peu l'intensité, ce qui est tout à fait normal. Et c'est peut-être là où on peut aussi placer notre jeu de passe, notre jeu de conservation. On a quand même cette volonté de posséder, d'avoir cette possession de balle. Rapide! Possession, c'est également une manière d'user l'adversaire, de le faire courir. Quand on joue au ballon, on n'aime jamais courir derrière le ballon, Manu. Même si ça fait partie du métier, on préfère l'avoir dans les pieds. Oui, c'est ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir de travailler collectivement, d'essayer de trouver les solutions ensemble, collectivement. Bien sûr, les exploits individuels sont aussi beaux. Hein, un bon dribble, une belle percussion individuelle. C'est un geste intéressant. Mais c'est vrai que quand on a la volonté de posséder le ballon pour faire du jeu vers l'avant, notamment du jeu... positif comme on dit et de rester dans le camp adverse. Attention. Voilà, surtout éviter de reculer. Attention, il s'en est bien sorti là parce que ça avait sorti les cisailles étaient de sortie là, il s'en est bien sorti Tom Loucher. Ouais. Ah, on voit que Pierre Lesmelou, bon, il a l'habitude de jouer, il connaît, il a déjà 140 matchs
avec les Aiglons depuis son arrivée en 2017. On le voit vraiment dézonné là aussi, aller chercher le ballon à droite, à gauche, couloir. On le sent vraiment libre, Lesmelou. En cette première période, avec Endoy qui décroche pour Pelmar. Oui, on a un bon temps là, on a un bon temps de possession, de conservation, de stabilisation. Après, il va falloir accélérer. Et surtout pas perdre ce ballon. Encore une fois, là. Dacuña, il a pris un tampon là, mais elle broutait, elle était un peu haute la remise, elle n'était pas à terre claquée. Et il y a laissé quelques plumes, Lucas Dacuña. J'espère que tout va bien aller, que c'est pas trop grave. Non, ça n'a pas l'air. Non, mais c'est bien, c'est mieux aujourd'hui. Là, c'est l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de pas tomber dans l'envie de vouloir faire trop d'efforts et de se blesser, mais d'essayer de mettre en place vraiment une stratégie de jeu collectif, comprendre un petit peu ce que demande le staff, le coach. Et on commence à voir au bout de 25-30 minutes un petit peu les effets des 5 premiers jours d'entraînement. Lesmelou qui cherche au deuxième poteau bambou. Les jambes un peu lourdes peut-être. Ouais, le pied n'est pas encore réglé. Ça va venir. Une volonté aussi de ressortir propre de derrière. Donc globalement, toutes les équipes, hein, la grande majorité des équipes aujourd'hui essaient de trouver des solutions. Bien joué, truc de duel. Et quand on n'arrive pas à ressortir propre, on cherche le joueur de couloir, souvent le latéral, là c'est le piston. Allez, il faut aller enfermer, Tom Louchet, c'est bien, ça force à ressortir. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'harceler, de stresser, d'empêcher vraiment l'adversaire de réfléchir, de penser le jeu. C'est pour ça que dès la perte, il faut éviter que l'adversaire lève la tête et comprenne et vise le jeu. Alors, en tant que technicien, qu'est-ce qu'on demande à la perte? 5 secondes après la perte. Il n'y a pas forcément de timing, c'est simplement d'éviter que l'adversaire profite justement de la récupération du ballon. On est désorganisé, en règle générale, quand on perd un ballon, on est écarté, on mange les lignes, comme on dit. On est désorganisé, c'est d'empêcher justement le porteur de balle de pouvoir solliciter le joueur dangereux qui pourrait nous mettre en difficulté. Pour le coup, on vient de voir là, il a été chercher son collègue Tom Louchet dans la profondeur. Ouais, ils ne se sont pas compris. Ouais, il y a un petit temps de retard. Je pense que Christophe Galtier demande un peu plus de réactivité dans les transmissions, dans les passes, dans les efforts aussi. Attention, nouvelle offensive ruthénoise. Intervention virile de Bambou. Dans le bon esprit, dans le bon tempo. Alors qu'on parlait justement de Casper Dolberg un peu au début de la rencontre, Casper Dolberg vient de signer le 2-0 pour le Danemark. Bravo Casper. Bravo. Vendeuil qui protège, qui se cale, qui remet sur Thuram, qui a le jeu en face. Qui prend Andy, Pelmar. Couloir droit d'Acuña. Très peu de possibilités, hein, dès qu'on rate son contrôle, il y a tout de suite un ruthénois sur le porteur. Avance, frérot, avance. Voilà, attention, ça c'est une phase qui est dans le dos. Ah, bien joué Schneiderlin sur une touche pour Dacuña. Voilà, c'est ce qui est recherché vraiment, ces passes quasiment qui éliminent des joueurs. On est vraiment là-dessus. Des appels en profondeur, voilà, ça c'est bien joué. Ensoki qui centre. Là on est sur une phase très intéressante. Oui,
Oui, ça fait une bonne dizaine de minutes maintenant. Il faut le jouer d'Acuna. Ouais. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. À 5 petites minutes de la fin de la première mi-temps. Eh bien, Manu, on est tenté de dire que c'est logique, ça matérialise un temps fort des Aiglons. Oui, c'est vrai que le début de match a été un petit peu poussif, et puis ça fait une petite dizaine de minutes que cette équipe aussi de Rodez a baissé l'intensité, et puis nous on a profité, et c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu le jeu de possession de Nice qui peut être extrêmement dangereux. Et bon, là on a bénéficié d'un contre favorable qui atterrit dans les pieds de d'Acuna et qui ne s'est pas fait prier pour glisser le ballon dans le petit filet opposé. Mais bon, ça, c'est consécutif à un temps fort quand même, un petit temps fort, on ne va pas non plus exagérer. Effectivement, le pied n'a pas tremblé. Hein. Patte gauche, bien ouvert, le geste sec. Oui, un geste précis, efficace. Tu veux bien te préciser, oui. Hein. Un petit temps fort, mais là on voit que ça continue à aller vers l'avant. Et chose qu'on ne voyait pas au début du match, on sent les Ruténois un peu en retard. Non, c'est leur coup, ils sont un peu en retard, ça coulisse un peu moins bien. On sent que vraiment là les Aiglons ils sont en train de gentiment d'user, de mettre leurs pattes sur le match. Oui, on a un petit peu plus de possibilités, de solutions. Voilà, nouvelle illustration. Oui. Un peu de retard, on voit quand c'est. Ça, ce sont des petites choses, les fautes qui se multiplient, ce sont des petits signes qui ne trompent pas. Tom Boucher, allez, au duel, va le jouer, Tom. Tente de prendre de la vitesse. Qui a raté son crochet et qui ensuite a percuté le défenseur. Kérou dans le fameux piston. Qui a bien fermé, qui a fait le job aussi. Ouais, y a beaucoup d'efforts qui ont. Les deux équipes fournissent pas mal d'efforts. Hein. Y a une équipe pour attaquer en début de match et une autre pour défendre. Et là, c'est l'inverse. Maintenant, on fait beaucoup plus d'efforts pour attaquer. Et c'est Rodez qui en fait un peu plus pour défendre. On rappelle que c'est la première semaine de préparation donc pour le gym. Et qui fait très, très lourd et qu'il a fait très chaud toute la semaine. Ouais. Les organismes sont un peu éprouvés. On rappelle que l'objectif, c'est d'être prêt pour la réception de Reims le week-end du 8 août. Et ça reste quand même une première semaine assez rythmée quand même, hein, du côté de l'OGC Nice au niveau des séances d'entraînement. Ça a démarré assez fort, ce qui n'est pas plus mal. Au moins, tout le monde est réveillé. Alors que là, ça repart avec le capitaine ruténois. Pierre Bardi qui cherche à l'opposé encore une fois ce fameux piston gauche Nassim Ouamou. Andy qui recule. Ah, voilà, là c'est d'Acuna, il a bien fait le travail, on en parlait de ces rôles là, il a bien fait le travail, il a bien fermé et ça permet aux Aiglons d'être bien stable alors que l'arbitre de la rencontre vient de siffler la pause. 1-0 pour le gym, but de Lucas d'Acuna peu avant la pause. Une bonne première mi-temps dans l'ensemble, Manu, même si effectivement on sent qu'il fait chaud et qu'au niveau du rythme, voilà, il y a certains moments où les acteurs cherchent leur souffle. On a quand même vu des bonnes choses des deux côtés. Une première partie de période plutôt à l'avantage des visiteurs. Une seconde complètement à notre avantage. Ce qui se matérialise par ce petit but d'avance à la pause. Oui, c'est bien résumé. La pause fraîcheur a marqué aussi le changement de physionomie de ces deux périodes dans la première mi-temps, à savoir une équipe de Rodez qui s'est bien installée, qui était bien configurée sur le terrain et qui a posé quelques petits soucis d'organisation défensive de notre équipe. Et sans réellement se créer de véritables occasions, si ce n'est 2-3 centres et puis un corner qui a été sauvé quasiment sur la ligne. Et puis tout doucement, après cette pause, il y a eu un peu plus d'allant du côté de l'OGC Nice avec une possession un peu plus rapide, notamment sur le plan latéral, qui a offert 2-3 opportunités, et dont une de Pierre Lesmélou qui a fait un bel appel en profondeur. Et s'en est suivi d'autres situations dangereuses, notamment dans les couloirs et Tom Loucher à gauche. Et puis sur un ballon contré, malencontreusement,
c'est la Cunha qui s'en est saisie et puis il a ouvert le score sur le temps fort, vraiment de, sur un petit temps fort de l'USC Nice. Alors que là on voit le coach Galtier qui parle beaucoup avec Pierre Lesmélou après avoir échangé avec Morgan Schneiderlin, les présidents, le président River et Julien Fournier qui échangent également de la terrasse. On parlait du coach Galtier, c'était sa première, on l'a beaucoup entendu aussi, il recadre, il dirige, il replace. Il est également arrivé, donc on le rappelle, il a été présenté mardi à sa conférence, il a eu sa conférence de presse pour répondre aux différentes questions des médias, il y avait beaucoup de monde. On vous quitte pour la pause et on vous laisse revivre les meilleurs moments de cette conférence de presse. A tout à l'heure. Bon, bah écoutez, on est ravis aujourd'hui d'être là avec vous et puis de vous présenter donc le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. C'est une histoire qui se conclut depuis hier soir. Voilà, on est très heureux de l'avoir avec nous. C'était un objectif. On avait un double objectif. C'était d'avoir Christophe Galtier comme entraîneur pour la saison prochaine et les suivantes. De continuer le projet tel qu'on a pu l'évoquer ensemble précédemment. L'entraîneur est toujours une pierre angulaire d'un projet, on le sait, c'est très important. En l'occurrence, le choix a été fait et on avait cet objectif aussi, c'est de commencer le premier entraînement avec Christophe, ce qui a été le cas ce matin. Voilà, donc moi je souhaite bien évidemment la bienvenue à Christophe, je félicite encore Julien du travail qu'il a réalisé, une fois de plus, et on écoute vos questions. Et ainsi que Bob, qui est là dans un coin, mais qui a participé à tout ça. Alors, la première question. Bonjour, William Imbercé pour Nice Matin. Ici, une question pour Christophe. Ces négociations, elles ont traîné. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous pensiez que ça allait faire plus vite? Que ça traîne, c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai laissé... J'ai laissé la direction de l'OGC Nice, à la fois le président Jean-Pierre Rivière, Bob et Julien gérer le dossier. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui je sois là devant vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Parce qu'il a pu paraître étonnant pour certains de passer de Lille champion de France à Nice. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, je vais me répéter un peu. Il était clair dans ma tête et assez rapidement au cours de la saison. J'avais pris la décision avec mon entourage, avec ma famille, de quitter Lille et de quitter le LOSC, quel que soit le résultat obtenu. Évidemment qu'on a obtenu un résultat exceptionnel avec une très grande performance. À partir de ce moment-là, j'ai regardé quelles étaient les opportunités qui pouvaient se présenter, quels étaient les projets qui pouvaient m'intéresser. Je parle bien de projets. Et j'ai rapidement pensé que, j'ai rapidement pensé que le projet Ineos OGC Nice était un projet qui pouvait me correspondre par rapport à ce que je sais faire et par rapport à ce que je veux faire. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je suis persuadé qu'ici, c'est le bon projet par rapport à ce que j'attends de faire de la suite de ma carrière. Le club a de fortes ambitions, comme vous. Est-ce que ça veut dire que cette année, il faut tout de suite viser le podium? Et est-ce que vous avez aussi des garanties pour les joueurs qui peuvent venir ici? Vous savez, je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui sont là et demander des garanties. Je connais automatiquement le projet, je le connais bien. Quant à savoir quels sont les objectifs, simplement dans un passé récent, lorsque j'étais à Lille, on est passé du maintien in extremis à la seconde place. Personne ne nous attendait là. On va évidemment travailler, collaborer, on va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif, mais après, entre ce que l'on souhaite et ce qu'il va se passer, personne ne peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler, il y a de l'ambition. Je remercie de ce côté-là, M. Jim Ratcliffe et Bob Ratcliffe, qui sont des gens aussi très, très ambitieux. Il y a de l'ambition, on va travailler et on va voir au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des matchs, où on va se positionner. Mais il est encore bien trop tôt pour savoir quel va être le potentiel de l'effectif. Et pour être très transparent ici, on ne va pas donner...
un objectif précis et avec une situation d'urgence d'être rapidement sur le podium. Ça se joue à pas grand chose et je sais de quoi je parle, ça se joue à des détails, à des micro-détails, et là-dessus on va évidemment beaucoup insister. Mais après on verra bien quelle sera notre saison. Christophe, bonjour, Nassim Thiresch pour Stade Perform. Qu'est-ce qui concrètement vous a poussé à choisir Nice? Est-ce que c'est le fait que voilà, le club part plus ou moins d'une feuille blanche, il y a une saison un peu compliquée, vous partez d'un projet où il y a peut-être tout à construire, partir, monter l'équipe que vous souhaitez. Voilà, qu'est-ce que concrètement vous a donné envie de venir ici? La première chose, c'est pas l'argent. Comme j'ai pu lire pendant beaucoup de semaines, c'est pas l'argent. Si ça avait été l'argent, je pense que je serais plus en Europe. À Nice, on parle pas, on va pas partir d'une feuille blanche. Il y a quand même il y a une structure, il y a des infrastructures, il y a un fort potentiel et on part pas de zéro. C'est pas vrai. Il y a Nice a participé à l'Europa League, ils ont eu une saison, je vais pas la commenter, difficile parce qu'il y a eu des blessures incroyables, des concours de circonstances. Et je veux dire, on part pas à zéro. Pourquoi Nice? Ben, quand j'ai pris la relève d'Alain Perrin à Saint-Etienne, on savait où était Saint-Etienne, on a vu ce qu'on a pu faire ensemble. Quand je suis arrivé à Lille sous la présidence de Gérard Lopez et les conseils de Luis Campos, on était dans une mauvaise position pour finir finalement très haut. Peut-être que je suis ce type d'entraîneur-là et pas un autre. William Inversé, toujours pour Nice Matin. Une question pour Julien. Comme l'avait expliqué Christophe, dans l'équipe, vous nouez une relation particulière. Est-ce qu'on aurait pu voir Christophe arriver plus tôt à l'OGC Nice et pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt? Souvent, enfin, je pense que les transferts, que ce soit de joueurs, d'entraîneurs, il y a des questions de timing. Je crois que faire venir un entraîneur trop tôt, c'est parfois une erreur. Moi, je pense que Christophe, il arrive au club au bon moment. Je sais qu'on avait pas mal parlé même avant qu'il aille à Lille. Et puis moi, avec beaucoup de... Enfin, c'est manifestement une erreur. Au départ, je ne pensais pas que pour lui, Lille, ce serait un bon choix. Il s'est avéré que c'était le bon choix. Je pense qu'il a continué aussi de se construire, de s'enrichir. Je crois que son passage à Lille lui a permis aussi de travailler avec un staff étranger qui l'a nourri. Nous, oui, on sort d'une saison compliquée et tout simplement, je pense que c'est le bon entraîneur au bon moment. Alors, on a écourté la conférence de Christophe Galtier qui est disponible dans son intégralité sur ogcnice.com car la pause, Manu, a été un peu plus courte que d'habitude. Un peu moins, allez, on va dire 10 petites minutes. Et là, ça repart. Alors, les deux équipes ont complètement changé. On va faire un rapide point. Déjà, côté niçois, l'équipe qui va démarrer, Sanchez. Toujours même système, 4-2-3-1. Sanchez dans les buts. Mendy, Chrétier, Smith, Amraoui. Ça, c'est du 100% centre de formation, Manu. Diomandé à droite, Ouad, Mchangama, Kari, Trouillé par semain. Eh ben, à part Trouillé, c'est 100% centre de formation. Oui, ben c'est aussi l'équipe réserve, hein, l'équipe N3 quasiment sur le terrain. Donc c'est bien, ça nous permet aussi de faire notre premier match de préparation. Donc c'est bien, c'est toujours intéressant, hein, l'opportunité qui est offerte à ces jeunes joueurs de s'entraîner déjà avec le groupe professionnel, avec le nouveau staff des pros. Voilà, on gagne en expérience très très vite. Côté ruthénois, on fait un petit point sur la compo. Hugo Bonnet, Lucas Buades, Grégory Coelho, Kylian Corredor, Bradley Danger, Malali Dembélé, Adilson Malanda, Johan Obiang, Amirad Sanaya, Enzo Zidane. Et voilà, Enzo Zidane. Plus près. Zidane, fils de Zinedine, donc, qui a fait ses classes au Real Madrid, qu'on voit là au milieu du terrain à côté de Paul Wade, qui est arrivé en provenance d'Almeria. Et on sait que la famille Zidane a des liens avec l'Aveyron et avec Rodez, car les grands-parents maternels
habite aux environs, dans les environs de Rodez. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Parsemin cherché en appui, Parsemin Manu, qu'on a déjà vu avec les pros, c'était lors de la dernière préparation. Il avait notamment joué le tournoi de Lyon face aux Rangers et aux Celtics. Profil athlétique, mais on ne se trompe pas, il est quand même très jeune. Oui, oui, mais c'était aussi pas prévu qu'il fasse la préparation la saison passée. En plus, il venait d'arriver, il venait de d'Istres. Donc, arriver au centre de formation de l'OGC Nice et tout de suite intégrer le groupe professionnel, partir en stage et faire des matchs de préparation, c'était un petit peu vite pour lui. Oui, c'est un garçon très athlétique, très solide, un profil atypique comme on n'avait pas forcément dans nos groupes, qui a besoin aussi de travailler sur le plan, le plan technique et la justesse technique. Alors là, c'est Alexis Trouillet, donc très jeune, mais qui porte le brassard de capitaine, voilà, qui lui a été formé à Rennes et qui est arrivé l'année dernière déjà. Un petit mot sur les autres aiglons que nous avons déjà vus avec l'équipe première, donc Noah Chrétier, on en a parlé à Birchiva. On voit sur notre côté droit, Manu, le jeune Antoine Mendy, qui a fait un groupe, c'était face à Brest. Oui, voilà, il y a un type de, enfin, un style de joueur qui progresse lentement mais sûrement. Et Antoine Mendy en fait partie. Il est parti vraiment très doucement la saison passée pour finir très fort, à tel point qu'il est rentré dans le groupe professionnel, bien sûr, par besoin. Mais il a aussi eu la chance de faire un banc avec la Ligue 1 et c'est une belle surprise. C'était une grande révélation de la saison passée. Antoine Mendy fait partie de ces 4-5 garçons qui ont une éclosion, on va pas s'enflammer bien entendu, mais voilà, il y a des garçons qui partent de très très loin, de derrière tout le monde, et qui au fur et à mesure dépassent les meilleurs, et ils arrivent à titiller un petit peu les garçons qui étaient en avance. Là on l'a vu donner un vrai ballon dans la profondeur avec Parsemin qui a fait un appel de l'axe vers le couloir, et bien du coup c'est un corner ouvert pour le gym, pris par Alexis Trouillet. C'est un bon ballon. Attention, là il y a danger, il y a du 3, du 4 contre 3. Ouais, ça va très très vite devant, on ça voit, va vite. C'est coloré, il y a du monde. Ah, bien joué Noah Chrétier, bien joué. Oh, Carrie le grand pont, coupé. Ah, intervention rugueuse de Bradley Danger. Oui, c'était pas mal, on voit très très vite, hein, le regroupement défensif doit se faire de plus en plus rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'aspect défensif va être fondamental puisque les transitions offensives ont fait leur apparition depuis un petit bout de temps, mais de plus en plus on voit 4, 5, 6 joueurs adverses tenter leur chance et il faut être aussi nombreux, si ce n'est pas plus, pour éviter malheureusement le but de l'adversaire. Donc les efforts doivent être faits très très vite pour pas être surpris. Un mot sur Soudès Carrie, qu'on voit aussi beaucoup beaucoup avec le groupe pro, Manu, plutôt un joueur d'axe, là il joue sur le couloir. Oui, c'est un garçon qui a fait la préparation aussi avec les professionnels, qui a fait pas mal de séances et de périodes avec le groupe pro la saison passée, aussi bien avec Patrick Vira qu'avec Adrian Urcia et le staff. Et puis qu'il y a eu un petit passage à vide, peut-être un peu de déception de ne pas avoir pu avoir de temps de jeu, ce qui peut se comprendre quelquefois. Et puis il est revenu très très fort une fois qu'il a digéré un petit peu sa déception. Il est revenu sur le dernier mois de la saison passée, très très fort. Et il a lui aussi fait partie du groupe professionnel et il a fait un banc. Voilà, une période un petit peu mitigée pour Soudès Carrie, qui est un très très bon footballeur, un très bon joueur de ballon et qui doit gagner encore un petit peu plus sur l'aspect athlétique. Donc là il y a Diomandé, une petite mésentente entre Diomandé et Mendy. Ah bien, bon retour Antoine Mendy, il est revenu avec puissance là. Il ne s'est pas laissé démobiliser par la petite incompréhension, il est revenu en force. Oui, c'est un garçon qui est doté d'une force athlétique assez incroyable et il grandit, il progresse à ce niveau-là. Et c'est un garçon très, très discipliné et très à l'écoute des consignes qui lui sont données. Voilà, c'est un très très bon profil. On parlait de Paul Watt, alors les suiveurs du gym se rappellent de Paul Watt parce que oui, lui, il a déjà joué en Ligue 1. Sous les ordres de Patrick Vieira il y a quelques années, face à Lyon. Il a fait une entrée contre Lyon.
si je ne me trompe pas, c'est en 2019, il faudra vérifier, mais je crois que c'était en 2019. Oui, c'est vrai que ça date un peu, et le fait de ne pas forcément avoir confirmé ces bonnes prestations de cette époque-là pèse aussi sur le mental, et notamment de Paul. Mais c'est un garçon qui, dans l'aspect offensif, était assez incroyable, capable d'accélérer le jeu de l'équipe, se trouver entre les deux lignes, c'est sa grande force. Il a une bonne prise d'information et il s'est transformé en buteur la saison passée en étant quasiment le meilleur buteur de cette équipe et de ce groupe de réserve. Avec une bonne intervention encore une fois de Chrétier. Oui, la saison passée, où le groupe réserve, sans compétition officielle, une fois que la situation sanitaire le permettait, a quand même disputé pas mal de matchs amicaux aussi face aux autres centres de formation. Oui, on était à peu près à une petite dizaine de matchs contre les centres de formation. On a eu cette chance de pouvoir réaliser ces rencontres contre les clubs professionnels, contrairement aux clubs amateurs qui, eux, malheureusement, n'ont pas eu cette chance. Et c'est vrai qu'on a pu quand même, ça reste pas le championnat classique, mais c'était notre petit championnat. Et on a vu des garçons qui se sont bien exprimés, qui ont montré leur qualité, leur valeur. Mais on ne remplacera jamais, jamais un vrai championnat avec un classement. Et on l'a senti chez les garçons, à un moment donné, une usure psychologique. Il a fallu les maintenir sous pression le plus longtemps possible. Alors que là, ils sont rentrés avec beaucoup, beaucoup d'impact. La SM Shangama, qui a été un peu parlé du pays. Ah, Bradley Danger, un transfuge de Chambly. Ah, il avait mis un premier caramel, là, ils lui ont répondu, ça fait aussi partie du jeu, alors que là, c'est Chambly, c'est les Rodez, les rutes et droites se portent vers l'avant, avec un bon dédoublement côté gauche, et une égalisation, œuvre du numéro 11, Hugo Bonnet, sur un service parfait, de Johan Obiang. Là, on s'est fait surprendre vraiment sur non seulement on ne cadre pas pour empêcher le centre et puis surtout on laisse le joueur libre dans la surface sans intervenir, on est un petit peu spectateur. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les garçons avaient montré quand même beaucoup d'énergie, un petit peu d'approximation dans les gestes techniques, dans les passes, mais bon, c'est un petit peu dommage de se faire surprendre comme ça. Surprendre par une valeur sûre, hein, Hugo Bonnet, on rappelle, on précise. Et on rappelle pour les supporters ruténois, mais bon, qui sont incollables, c'est le meilleur, tout simplement le meilleur buteur de Rodez la saison passée avec 8 réalisations en Ligue 2. Un élément d'expérience. Ah, voilà, ils mettent encore attention. Attention à ne pas perdre le fil, les Aiglons. Parce que là, on le voit qu'il y a du répondant, et c'est du solide. On voit que Rodez est parfaitement entré dans ce second acte. Oui, on voit la maturité, il y a l'envie, il y a l'enthousiasme des jeunes joueurs, de nos jeunes joueurs, mais il y a la réalité, c'est-à-dire l'impact, la densité physique, athlétique de chaque joueur qui est légèrement supérieure à la nôtre. On doit jouer sur nos propres qualités, à savoir l'envie de jouer, pas tomber dans le piège d'être trop facile et de se faire contrer, mais voilà, essayer de maîtriser au maximum et se procurer le maximum de situations offensives. Là, on a vu une belle combinaison, hein. Trouillé. Bon contrôle orienté qui lance par semain et un corner intéressant, Trouillé, deuxième poteau, bien défendu, oui, Alexis Trouillé qui a fait une bonne orientation sur sa première touche et qui a bien lancé par semain. Voilà, ça c'est intéressant et c'est aussi une volonté un petit peu de Christophe Galtier d'orienter, de gagner ou de garder, d'augmenter le temps d'avance que l'on a quand on reçoit le ballon au milieu de terrain pour tout de suite lancer les attaquants en profondeur. Trouillé, alors ça, assez capté, attention, oh là là, là ça va vite, encore une fois Bonnet à bloc, heureusement que le portier ruténois a pris son temps pour relancer, parce que là c'était juste devant nous, c'était parti très 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 vite en contre-attaque. Là c'est Rodez qui conserve. Et qui conserve mal, là, parce qu'il y a une petite imprécision technique qui permet aux Aiglons de récupérer le ballon. Avec le jeune Amraoui, côté gauche, lui c'est sa première aussi, hein, Amraoui. Oui, un petit peu à l'image d'Antoine Mendy, c'est un garçon qui est parti tout doucement. Il a réussi à gagner un petit peu sa place au niveau des 17 ans, au niveau des 19 ans.
et la N3 également. Et tout doucement, il s'est imposé comme une valeur assez intéressante. C'est un défenseur central de formation. Là, il est placé latéral gauche. Il est plus central, c'est un garçon athlétique, solide. Et international marocain, ça lui a fait beaucoup de bien de partir aussi, puisqu'ils ont eu la possibilité de faire aussi des rencontres amicales. Et il a bénéficié un petit peu de cette possibilité de cette sélection. Il a beaucoup progressé. Alors, passage au petit jeu, Rodez qui arrive à s'en sortir. M. Changama qui part chasser, mais bonne conservation de Rodez. Carré qui ferme le bon espace, qui lance de suite par ce main. Ah, il est très mobile par ce main. Ouais, il prend les espaces. C'est sa grosse qualité. Hein. Il faut qu'il reste là-dessus. Il a été recruté pour ça aussi. Il ne peut pas faire que ça dans le match. Hein, mais il a la possibilité avec cette nouvelle façon de manœuvrer, dès la récupération du ballon, attirer l'adversaire dans la profondeur et gagner du terrain dans le coin adverse. Voilà, c'est côté droit de Diomandé. Qui voit l'appel de Mendy mais qui préfère ressortir sur Mchangama, Smith. Oui, il y a le bloc, hein, Ruthénois qui s'est bien recomposé. C'est ce qu'il y a de plus difficile en football, hein, c'est de manœuvrer sur. Ouais, c'est parti. De manœuvrer le bloc. Attention, ouais, Bonnet au duel avec Smith. Ouais, très bonne intervention. Un garçon très intelligent, patient, qui sent bien les coups. Justin Smith et. Voilà, très brillant sur le plan tactique. Voilà, il sent les coups, il anticipe, grand sens de l'anticipation et il ne s'est pas laissé démonter, démobiliser sur le crochet. Alors Justin Smith qui, malgré son jeune âge, fait partie déjà de ces milieux défensifs qui ont reculé. Oui, hein, c'est un milieu défensif aussi de formation et puis c'est par pur hasard qu'il s'est retrouvé sur ce poste de défenseur central et il s'est complètement révélé. Il s'est épanoui complètement et rien ne dit qu'il restera à ce poste-là. Hein. Il va peut-être aussi retourner un jour au poste de numéro 6. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avant lui. Fon Mendy côté pour Diomandé. Ouais, celle-là, elle fait du bien peut-être de phase de conservation. Manuel permet de faire courir l'adversaire, de se rassurer aussi. Ah, Paul Wade. Bon ballon pour Parsemin, hein, il avait vu. Oui, un petit peu à contre-temps. Je pense que c'est plus le passeur qui a déclenché l'appel que l'inverse. Habituellement, Alexandre Parsemin demande le ballon avant qu'il n'arrive. Là, c'est plus le passeur qui a poussé le joueur à sortir. C'est ce qui a fait le petit temps de retard à l'arrivée. Gardez un peu, gardez. On entend. Ça demande de garder. Dans les rangs sans et hors. Dans le rang avéronné. Diagonale à l'opposé. C'est rodé. Sans mauvais jeu de mots. Il y a beaucoup de renversements de jeu à l'opposé, ce qui déstabilise le bloc, bien entendu. On voit les automatismes à droite, à gauche. Oui, oui. Et là, il y a un bon coup franc à suivre pour les Aveyronnais. Coupon qui va être frappé rentrant. Alors, en général, on a l'habitude de dire sur ces phases-là, point de pénalty, cadré, si jamais c'est pas touché. Alors on va voir aux jeunes aiglons de rester bien solides. Bien solide, bien dégagé. Amraoui justement. Qui dégage les siens. Et une deuxième fois. Ça va par Carry. Bon contrôle, bonne orientation. Et on souffle en gardant le ballon. C'est bien. Ils ont bien résisté. Oui, ça, ils sont capables de le faire. C'est, je dirais, la base de notre formation, de savoir conserver les ballons, même s'il en a perdu. Avance. On le voit à son avantage, Smith. Hein. Oui, c'est très très bien. Très bonne lecture et puis il joue simple derrière, la passe facile, propre, simple, tête levée. C'est un bon ballon pour Trouillat.
attention. Attention, là c'est clairement Rodez qui a un temps fort, il faut résister. Là. Il faut conserver pour se rassurer. Laisser souffler, faire reculer, faire courir cette équipe. Qui, on le rappelle, reprendra son championnat le 24 juillet face à Caen. Et voilà, par ce main cherché dans le dos de la défense. Ouais, encore une fois, c'est poussif. C'est l'appel qui conditionne la passe, c'est pas l'inverse. Sinon, il y a toujours un petit temps de retard à l'arrivée et ça profite aux défenseurs et à la récupération. Il faut faire attention de ne pas balancer les ballons comme ça sur la volonté de faire des appels en profondeur. C'est l'appel qui doit conditionner cette passe. Peut-être ne pas hésiter même à aller à droite, à gauche. Être patient. À faire courir cette équipe, à être patient, exactement. Alors Mendy au duel avec Obiang. Ouais, Obiang qui trouve Boda, bien joué Smith encore une fois. Encore une fois, il a très bien senti le coup et on le sent même tonique sur ses appuis malgré le gabarit quand même important et imposant. Il est assez tonique sur les premiers pas. Ouais, et puis il y a de la maturité dans son jeu, il est beaucoup plus serein. Il commence à être aussi habitué à ce groupe professionnel, contrairement à certains autres. Voilà, on a une bonne approche à mi-terrain et on a beaucoup de difficultés en ce moment. Là, on a un passage un petit peu difficile à trouver les solutions offensives. On arrive à la relation des défenseurs avec les milieux se passe pas trop mal et on a un peu de difficulté à la suite de cette première phase de trouver nos attaquants et les bons appels. Par contre, après, allez, on va dire 5 minutes un peu compliquées, là, on sent. Par contre, le temps fort, Rodez a un peu baissé de pied aussi. On sent que malgré tout, peut-être que la conservation les a un peu freinés aussi, a permis un peu de les faire reculer. Bah, c'est le but aussi du club, hein, d'avoir la possession. C'est aussi d'avoir la possibilité à tout moment de renverser une situation qui peut être compliquée, un temps fort de l'adversaire. Et la patience et l'intelligence de jeu peuvent faire des différences. Ça, c'est un sacré ballon bien claqué de la part de Danger. Un Chrétien qui fait une faute sur Dembélé. On voit à chaque fois qu'on perd le ballon derrière, ça se projette très très vite et on est obligé de recourir parfois à des gestes un peu illicites pour casser cette contre-attaque. Mais ils apprennent, c'est l'objectif, c'est le but aussi de ce genre de match. Hein, quand on change complètement l'équipe à la mi-temps, c'est faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit meilleur, mais au moins qu'il y ait de l'apprentissage dans cette période. On rappelle, la réserve dirigée par Didier Gare reprendra le 12 juillet, Manu, l'entraînement. Oui, c'est ça. Avec beaucoup de ces jeunes joueurs que nous voyons là. Oui, quasiment la totalité. Ils vont retourner dans leur catégorie, dans leur groupe d'entraînement, avec l'envie de remonter. Donc, ça combine dans les petits espaces. Ouais, Didier Digard qui sera accompagné de Johan Louvel, de Cédric Varro. Puis ça appuie côté gauche. Ça travaille très bien dans la largeur. Hein. Ça travaille très très bien dans la largeur. Oui, bien en place aussi. Notre bloc est bien recomposé. C'est bien. C'est vraiment dommage. Très chaud, il y a une bonne parade de Sanchez. Oui, le bloc s'était bien recomposé, oui, bien en place, mais c'est là justement où il faut réussir à conserver. Exactement. C'est dans ce genre de situation, il ne faut pas se tromper parce qu'on est à l'approche du but et une perte de balle peut être très dangereuse. Alors, il y a un corner très dangereux de Ruthénois au ballon. Ils tirent tous leurs coups de pied arrêtés à deux. Hein. C'est vraiment pour déstabiliser un petit peu soit les gardiens de but, soit les défenseurs. Ouais, que ce soit les corners, les coups francs excentrés, ils sont toujours tirés à deux, un gaucher, un droitier. Ouais, là, le bloc est bien ressorti à mi-terrain.
sur cette base défensive. Bon ballon de danger. Et bien fermé par Amra. Et le premier carton jaune de la rencontre. Ouais, il m'avait semblé qu'il avait touché quand même le ballon un petit peu avant, même s'il était derrière. Ouais, c'est vrai, on est... de là où on est placé, on avait l'impression que c'était viril, mais honnête. On va quand même espérer que le retournoi se relève et qu'il n'y ait pas trop, là, il n'y a pas trop de dommages, mais il nous semblait, disons, dans le bon timing d'intervention. Ouais. C'était plus un tacle de récupération qu'un tacle de dégagement ou de destruction, donc il ne peut pas... La blessure elle peut arriver à tout moment, bien entendu, mais je ne pense pas que ce soit ce genre de geste défensif qui blesse un joueur. Alors là, les coups de pied arrêtés se multiplient. Rodez se place de plus en plus régulièrement dans la partie de terrain niçoise et aux abords de la cage de Sanchez. Oui, c'est bien tiré. Bien tiré, mais il s'est bien détendu, ouais, Sanchez. Bel arrêt d'Enrique. Très tonique aussi, Enrique, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais, un garçon très explosif avec encore une fois aussi une mentalité, une culture du travail et de l'effort. Il a un gros jump, c'est un garçon qui est très c'est un félin dans la cage. Il a un tempérament assez dynamique sur le jeu. Il doit gagner un peu plus peut-être en confiance, en sérénité, en relâchement. Mais voilà, il a les qualités d'un jeune gardien qui a tout pour faire de belles choses et a toutes les aptitudes, surtout la tête. Alors après 23 minutes de jeu, on rappelle le score 1 partout entre le Gym et Rodez. But de Dacunha en première période pour les Aiglons. On rappelle qu'il y a deux équipes différentes dans les deux clubs. Égalisation au début de second acte par Bonnet. Ouais, et Fred Jurian qui échange un petit peu avec les jeunes générations. Fred Juria qui aura aussi un rôle de talent manager, comme on l'appelle maintenant. C'est un adjoint au groupe professionnel qui gère, qui s'occupe des jeunes joueurs du groupe professionnel qui viennent soit du centre de formation ou d'ailleurs. Voilà, il a déjà entamé ce travail-là la saison passée, il y a 2 ans également, et il va retrouver un petit peu cette fonction-là qu'il avait quittée, comme tout le monde le sait, pour pallier à la restructuration du groupe professionnel la saison passée. Voilà, c'est un maillot important, ce talent manager, parce qu'il fait vraiment le lien. L'entraîneur de la réserve, Didier Digard, aura aussi un rôle important dans cette connexion. Mais le talent manager est celui qui est peut-être le plus à même de faire passer les messages, de faire comprendre aux jeunes joueurs les exigences du haut niveau et le chemin qui reste à parcourir. Alors je profite, comme en première mi-temps, de cette petite pause fraîcheur pour glisser un mot sur les abonnements. Petite nouveauté, grosse nouveauté de la saison 2021-2022, la possibilité de mensualiser l'abonnement, donc de payer chaque mois. Histoire vraiment encore une fois de que chaque supporter n'ait ni à choisir entre raison et passion. Donc là le Gym fait cette démarche là. Toujours à propos des supporters alors que la rencontre reprend. L'ensemble de l'OGC Nice voulait remercier ses abonnés car ils ont eu la possibilité de verser leur avoir de l'abonnement de la saison précédente, de la saison interrompue par le Covid. Ils ont eu la possibilité de verser leur avoir au fonds de dotation et en tout lors de la saison 2019-2020 grâce à la solidarité des supporters, grâce à votre solidarité, ce sont plus de 13 000 euros qui ont été récoltés et qui bénéficieront au club, au fonds de dotation du club, dans toutes les actions citoyennes menées par le Gym, toutes les actions sociétales. Donc encore une fois, plus de 13 000 euros grâce à la solidarité du 12e homme. Un grand merci à tous. On rebascule, Manu, sur le match. Avec Diomandé qui a changé de côté avec Carey et qui a fait encore une fois un appel de l'extérieur vers l'axe qui a été servi. Malheureusement, il était hors jeu. Un mot aussi sur Diomandé qu'on n'a pas encore présenté. Oui, Junior Diomandé qui nous est arrivé de la Belgique.
international belge qui jouait au poste de latéral gauche en étant droitier dans la sélection. On l'a repositionné nous sur un poste de latéral droit. Aujourd'hui, il occupe le poste offensif parce qu'il y a des besoins aussi. Mais c'est un garçon qui est très tonique, qui est très très vif avec beaucoup d'explosivité. Et on avait vu justement Diomondé servi par Noah Crétier qui avait fait un bon contrôle orienté. Et ça aussi, c'est un geste à travailler, à développer davantage ces contrôles orientés des défenseurs centraux pour s'engouffrer, s'intercaler dans la ligne de milieu. Il a réussi à fixer les milieux de terrain pour mettre un petit ballon aérien, mal dosé certes, mais le premier geste pour se sortir du pressing des attaquants est extrêmement intéressant. Encore une fois, parsemin, chercher, mais peut-être les jeunes aiglons devraient un tout petit peu prendre plus de temps, voilà, un petit peu temporiser pour vraiment, parce que sinon même, on pense à parsemin, il risque d'être rapidement cramé si, à force de renouveler comme ça les sprints à haute intensité. Oui, poser un petit peu plus le jeu, faire jouer le bloc, le monter tout simplement de temps en temps, ne pas abuser de ces ballons par-dessus. Pas ici. Varier tout simplement. Allez, Mchangama qui pose le jeu au milieu de terrain. Le ballon perdu, oh, bon ballon ça. Ouais, c'est dommage, vraiment, c'est dommage parce que Azier Mchangama est un grand récupérateur de ballon, c'est sa grosse qualité. Et malheureusement, il n'équilibre pas cette force, cette compétence par une bonne maîtrise technique dans ses passes. C'est dommage. On voit l'illustration. Tu nous parlais de son sa faculté à récupérer. Là, il était présent sur... Voilà. Ça illustre un petit peu ses qualités de défensives, de récupérateur. Voilà. Un jeu simple pourrait le servir davantage. Alors que la Rodez continue à évoluer dans la partie de terrain rouge et noir. Ça ressort pas, bonne relance de Noah Crétier. Là, c'est difficile. Il presse très bien, Rodez, il nous bloque dans notre partie de terrain. C'est difficile de desserrer l'étreinte. Ouais, je pense qu'il faut peut-être enchaîner beaucoup plus rapidement entre le contrôle et la passe. Il se passe beaucoup trop de temps, ce qui fait que l'adversaire peut organiser sa récupération. Voilà, si on peut changer beaucoup plus vite de... le jeu par le contrôle et la passe et ne pas prendre de risques. En cas des risques, on peut en prendre, mais bien maîtrisé, bien calculé. Un peu aventureuse la sortie du portier. Oui, là c'était une action un petit peu différente. C'est vrai que le ballon n'était pas forcément bien donné, mais c'est vrai. On a vu Alexis Trouillet s'engouffrer aussi derrière la défense. Avec un petit peu plus de précision, ça aurait pu être un bon ballon. Allez, là, cette fois, ce sont nos jeunes aiglons qui sortent. Là, il faut la garder. Tant qu'il n'y a pas de solution, il faut la garder. Il ne faut pas forcer les passes. C'est une bonne orientation de Fortemain pour Carrier. Voilà, patient. Il y aura une erreur de commise, il faut l'exploiter. Très bien, ça c'est une bonne phase. On voit Trouillet très disponible aussi entre les lignes. Voilà, c'est l'équipe de Rodez qui attend l'erreur technique. Pour l'exploiter un maximum. Elle est capable de jouer, de maîtriser le ballon, mais elle base aussi son jeu là-dessus, sur une bonne structure. Encore un ballon perdu. Attention là, Dembélé au duel avec Crétier. Dembélé qui accélère. Ah, belle intervention de Crétier. Très très bien défendu. Il a réparé un petit peu son erreur, mais c'est dommage. Il faut faire preuve de patience
et ne pas insister sur des passes extrêmement difficiles, délicates. On n'est pas dans une période où on peut entre 5 mètres, deux joueurs entre 5 mètres, la mettre précisément. Il faut être patient, donner des ballons simples, faciles, mais il s'est très très bien rattrapé. C'est vrai que dans le football, les choses les plus difficiles, c'est la simplicité. Oui, mais ils veulent bien faire, ils veulent tellement bien faire qu'une passe comme celle-ci pense qu'elle est réalisable. Alors corner pour Odez. C'est M. Changama, si je ne m'abuse, qui a dégagé. On tient quelque chose. Amraoui. On tient quelque chose. Duel avec danger. Bon, Changama avec les longs compas. Bien refermé. Ouais, des Ruthénois qui se parlent beaucoup sur le terrain. Ça communique, ça donne des indications, ça soulage aussi. Quand un joueur ne sait pas quoi faire, et rien que le fait de lui indiquer ce qu'il pourrait faire, ça lui donne une solution supplémentaire. Ouais, on parle, on entend beaucoup et on voit beaucoup depuis le début de la seconde période, ce numéro 23, Obiang. Obiang, c'est un homme d'expérience aussi, il a eu 135 matchs en Ligue 2 à 27 ans. Il y a du vécu, il y a de l'expérience, ça se ressent aussi. Alors que là, encore une fois, combinaison à deux, Enzo Zidane et Johan Obiang au ballon. Ça rentre ou ça sort, on va voir. Encore une fois, les Ruthénois, ils ont mis deux joueurs aussi dans le mur. Là, c'est Enzo Zidane qui prend sa chance, un peu trop enlevé. Heureusement pour Ujimori, on a tendance à le rappeler, autant côté niçois c'est très jeune, autant il y a quand même du bagage et du vécu au niveau professionnel. Oui, pour Rodez. Il y a beaucoup de matchs professionnels du côté de Rodez, même dans cette deuxième période. Il n'y en a quasiment pas, voire très très peu du côté de nos jeunes niçois. Donc il y a une différence d'expérience, ça c'est évident. Ah, ça c'est un bon ballon de Smith. Oui, pour Trouillet. Excellent. Voilà des passes qui éliminent des lignes, des joueurs, ça c'est intéressant. Alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer ici au centre d'entraînement. On rappelle le score, un partout entre le gym et Rodez. Ouais, bien parlé Enrique, bien parlé à ses défenseurs. Bonne couverture aussi des deux défenseurs, Smith et Mendy. Des garçons, grosse qualité d'anticipation et Mendy de vitesse. Toujours intéressant de. Voilà, ça c'est une passe magnifique. C'est dommage de ne pas en profiter parce que il y avait une situation intéressante. Si Paul Watt pouvait se retourner, comme c'est sa grosse force, c'est dommage. On aurait vu ses qualités à l'œuvre. Rodez a baissé un peu le rythme aussi. Hein. Là, le match en lui-même a baissé d'intensité. Ça reste encore une lutte tactique. On est sur des schémas d'organisation. Il n'y a pas encore de déstructuration. Il faut attendre encore peut-être une petite dizaine de minutes pour voir un peu plus de terreur. Bonne combinaison. Et voilà, Obiang qui déboule côté gauche après une belle combinaison, un petit jeu à 3 qui va au duel contre Mendy. Ah, Mendy, très 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 difficile à prendre, Antoine Mendy. Hein. Et derrière, en plus, il soigne la relance. C'est Parsemain qui est au duel. Il a des difficultés à se sortir du marquage du défenseur central qui est très solide. Il doit tenir davantage sur ses jambes, Alex Parsemain. Il en a les capacités. Il a le physique pour le faire, je pense qu'il se laisse un petit peu tomber pour chercher la faute. C'est dommage, il peut obtenir davantage de positif dans son jeu s'il reste bien sur ses cannes, qu'il garde le ballon. C'est dommage parce qu'il y avait une belle intervention d'interception d'Antoine Mendy et une bonne relance. Malheureusement, elle n'a pas été exploitée. Ah, on le voit puissant et solide, Antoine Mendy, hein, alors qu'il a un client sur le côté, voire deux, parce qu'on voit que Obiang et Bonnet combinent très bien. Donc là il a bien géré. M. Changama, voilà, qui met l'impact. On espérait que voilà, ça se relève. Côté Rodez, voilà, Obiang. Alors là c'est même le central qui dédouble. Le capitaine Smith encore qui lit très bien les trajectoires. Oui.
Attention, oui. Justin Smith, il avait tout bien fait. Eh oui, c'est la petite erreur, malheureusement, de Justin dans ce match. C'est dommage parce qu'il était bien sur la trajectoire, il lit bien les trajectoires et un ballon aérien qui tourne un petit peu comme ça, très très difficile à maîtriser. La frappe d'Endozida dans la niche. Enrique. Ouais, bien placé, bien positionné, Enrique. C'est bien. C'est bien ce qu'il fait. On voit tout à l'heure le défenseur de Rodez, le capitaine, Amiran Sanaya, pareil, ça c'est un homme d'expérience, un géorgien, 31 ans, qui a plus que roulé sa bosse en National ou en Ligue 2. Et on l'a vu sortir de sa base défensive à 3 pour aller apporter le surnombre et combiner sur le côté. Alors ça, c'est pas exclu, hein. Même quand on est à 3 défenseurs centraux comme ça, c'est pas exclu qu'il y en ait un qui s'échappe. Après, ce qu'il faut simplement, c'est compenser. C'est souvent soit un milieu s'ils sont à 2 ou à 3. Alors que encore une fois, on suit un peu en fil rouge le Danemark qui a concédé la réduction du score. Donc on rappelle que Kasper Dolberg avait marqué le 2-0. Désormais, les Danois ne mènent plus que 2-1 face à la République tchèque en quart de finale de l'Euro. Et il reste un quart d'heure à jouer pour les coéquipiers de Kasper, avec le buteur tchèque, Patrick Tchik. Ouais, difficile de se sortir sur une touche, un ballon avec du monde dans le dos, marquage très difficile, ballon perdu. Et voilà, il sort encore de sa base pour Obiang côté gauche. Ah, cette fois, c'est Tchangama qui va fermer derrière Antoine Mendy. Ah, bien Smith encore une fois sur la trajectoire. Et pour boucler sur le Danemark, Kasper Dolberg a cédé sa place à l'heure de jeu. Voilà. Maintenant, on va croiser les doigts et on va être derrière Kasper et les Danois qui jouent durant ce dernier quart d'heure une place en demi-finale de l'Euro. Ouais, voilà, Mendy. On est reparti sur un temps fort, ruthénois. Smith encore une fois sur la trajectoire. Ouais, un peu naïf dans nos sorties de balle. On est un petit peu, on le sent, hein, on sent notre jeunesse, notre naïveté, contrairement aux ruthénois qui eux anticipent vraiment toutes nos sorties de balle, nous empêchent, nous étouffent un petit peu. Il y a un peu de grabuge dans la surface là, l'arbitre a laissé jouer, on va espérer que ça, je crois que c'est Bonnet qui est à terre, on espère qu'il n'y a rien de grave, il y a eu un peu de grabuge, l'arbitre a laissé jouer parce que c'était dans le sens du jeu, voilà, il n'y avait pas, je pense que c'est plus le contact dans une zone qui fait très mal, on le voit se tenir le bas du dos. Allez, bah pareil, hein, c'est leur préparation, leur premier match de préparation à Rodez. On va espérer que ce ne soit rien de grave et que Bonnet se relève pour poursuivre. En tout cas, elle a l'air de souffrir un petit peu quand même. Ouais, nos jeunes aiglons qui ont un petit peu de mal à ressortir les ballons, ce qui est normal, hein, compte tenu un petit peu de l'expérience de l'adversaire. On voit les différences quand même, hein. Faut pas s'étonner, c'est des garçons qui sont en plein développement. Et justement, c'est contre ce genre d'équipe qu'on en apprend à aller un peu plus vite, à commettre moins d'erreurs de ressortie de balle, puisqu'elles peuvent être fatales. Alors Manu, là, je m'adresse aux formateurs, est-ce que dans l'optique d'une reprise de la réserve, ça, on peut s'appuyer sur des matchs comme ça, dans des discours, dans des exemples. Bah oui, on s'appuie sur tous les matchs, mais surtout sur cela. Et la première des choses, c'est de leur poser la question comment eux, ils ont ressenti, ils ont vécu le match. Le plus important, nous, on a l'expérience, on sait comment fonctionne un match de football. Mais à eux de nous dire comment ils l'ont vécu, est-ce qu'ils auraient pu faire ou doivent faire la prochaine fois qu'ils
qu'ils auront à jouer ce genre de match. Centre venu de la droite, Obiang, une reprise un peu topée. Le rebond a failli tromper Enrique, mais non, ça passe au-dessus de la barre alors qu'on est, on est quand même content. Hugo Bonnet s'est relevé, voilà, c'est le match se déroule dans un excellent état d'esprit. Ouais. Voilà, il faudrait qu'il y ait de casse ni d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est un élément fondamental de ce genre d'opposition et de ces premiers matchs amicaux. Voilà. Exactement. Plus que c'est un joueur sur lequel le club compte beaucoup. Voilà, encore un ballon perdu, ça commence à être un petit peu agaçant sur cette fin de match. C'est vraiment dommage. Très belle intervention, très belle intervention d'Enrique sur un ballon encore une fois perdu hein, côté gauche et qui finit à plein axe. Dont ils ont profité un super ballon d'Enzo Zidane pour Bonnet. Et le côté félin d'Enrique là, on l'a vu, il est sorti tel un chat. Il s'est pas jeté, il a attendu vraiment la dernière touche de l'attaquant pour pouvoir faire le très bon geste. C'est pas forcément évident, il avait un petit peu de retard. C'était une belle intervention. Là, on souffre un petit peu, hein. Il faut sortir beaucoup plus vite dessus. Ah, et là maintenant, c'est aussi un bon exercice, il s'agit de tenir. C'est tenir, d'essayer d'anticiper. Maintenant qu'il y a peut-être un petit peu moins les jambes, c'est d'anticiper davantage les passes, les trajectoires de passes, les appels en profondeur. Le physique ne dure pas. Mais il faut faire marcher maintenant le cerveau. Et le cerveau, il va finir le match. Il reste dans le temps réglementaire, il reste 2 minutes 30, Manu. Il faut tenir, voilà. Hein. Ouais, l'objectif est là. À moins d'exploiter une erreur de l'adversaire. Voilà, rester quand même ambitieux dans le jeu, pas se satisfaire que de ce match nul, même si c'est un bon résultat en soi pour eux. Voilà. Il y aura toujours une dernière situation dans la dernière minute. Il faudra qu'elle soit à notre avantage. Il n'y a pas. Voilà, ce manque de connexion, une passe qui est encore une fois forcée. Ouais, bonne intervention encore de Mendy. Il est très solide défensivement. Ouais, il est bien sur ses appuis, il est saignant. Il n'a pas peur des contacts. Très bon défenseur. Très jeune. Très jeune, 17 ans. 17 ans et il était attaquant avant. Hein. Il était attaquant, mais quand je dis attaquant, c'est attaquant de pointe. Hein. Là, souvent on a des excentrés qui passent latéraux, droit ou gauche, on en a plein. Mais des purs avant-centres qui se retrouvent latéral droit comme ça, je ne connais pas beaucoup. Il a été replacé au centre de formation ? Oui. C'est la bonne. Ah, voilà la fameuse situation dont tu nous parlais, Manu. Ah, ben là, au métier. C'est dommage qu'il n'ait pas pu récupérer ses appuis. Alexis, il aurait pu profiter un petit peu de ce ballon perdu. C'est dommage. Amiran Sanaya qui a écopé d'un carton jaune. Juste, bon, on rappelle les cartons jaunes, voilà, il n'y a pas trop d'incidence. Mais bon, il a senti qu'il y avait danger, il a fait faute, le capitaine. Allez, Paul Watt qui a un pied à coup franc. Il a mis un nombre incalculable, la saison dernière sur coup franc direct, ce qui est très difficile. Et il est capable de déposer le ballon littéralement. Ah, c'est dommage. Un peu long. Attention là. Alors que l'arbitre siffle la fin de ce premier match amical de l'été rouge et noir. Un partout entre l'OGC Nice et le Rodez Aveiro Football. Manu, à chaud, quelle analyse tu fais de cette rencontre où au final chaque équipe aura gagné sa mi-temps ? Oui, il y a eu des temps forts et faibles pour chaque équipe. Il y a des mi-temps dans les mi-temps pour chacune des équipes. Je pense que tout le monde va être satisfait de sa propre prestation. C'est la première, c'est comme une crêpe. Hein. La première, elle est pas forcément la meilleure.
Et puis voilà, on a pu voir à l'œuvre des garçons qui auront l'occasion durant toute la saison de briller, que ce soit au centre de formation ou en Ligue 1. Alors on voit le coach Galtier qui va échanger avec Enrique Sanchez. C'était sa première sur le banc rouge et noir. Je rappelle qu'il est arrivé lundi soir et qu'il a boucle sa première semaine en tant qu'entraîneur des Aiglons. Là, il va saluer le corps arbitral. Les joueurs ruthénois, il va échanger un peu avec Noah Crétier aussi. Ce fut un bon premier galop d'essai pour les Aiglons. Prochain rendez-vous. Manu, c'était un plaisir de partager cette rencontre avec toi. Le prochain rendez-vous pour les Aiglons, c'est un amical contre Lausanne le 10. Ça se déroulera ici au centre d'entraînement et ce sera également à huis clos. Manu, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra recommenter des matchs ensemble et qu'on pourra profiter. Je te souhaite beaucoup de réussite aussi dans la reprise qui arrive très vite pour le centre de formation. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité du gym sur ogcs.com ou sur tous les réseaux sociaux du club. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée et les buts de la rencontre, les deux buts de la rencontre sont d'ores et déjà disponibles. Vous pourrez les revoir actuellement, vous les revoyez actuellement et vous pouvez aussi le voir avec le résumé de la rencontre un peu plus tard. Voilà, merci à tous, merci à toutes et à tous. À bientôt, Issa Nissa.